bord de l'Erdre dans la commune de Sucé-sur-Erdre et c'est aujourd'hui que nous allons connaître les bonnes résolutions des citoyens du Nord-Loire de Nantes. Et tu es habitant de la région ? Oui. Et donc on est en quelle année là aujourd'hui ? En 2016. On est en 2016, tout à fait. Alors quelles sont tes bonnes résolutions pour 2016 ? Avoir des meilleures notes, maman de faire plus de sport. Ne plus m'embêter. Les bonnes résolutions, je pense que déjà pour tout le monde, c'est d'être de bonne humeur, de prendre soin des gens qu'on aime et essayer de voir la vie positive. Voir la vie positive. De sortir de ce marasme environnant. Après, les bonnes résolutions, du sport, une bonne santé, une bonne hygiène. Eh bien, ça me paraît ça pas mal du tout. Merci beaucoup, Bruno. Une bonne santé, une bonne hygiène, c'est ce qu'on retiendra en tout cas de Bruno. Merci. Tes bonnes résolutions pour l'année 2016, quelles sont-elles ? Oui, peut-être plutôt travailler un peu plus à l'école, mais qu'ils finissent la salle de bain de ma sœur, qu'ils auraient dû finir depuis quelques temps déjà, et moins polluer. Merci beaucoup Malo, c'était donc Malo, presque 15 ans et habitant de Sucé-sur-Erdre, arrêté de polluer la région. Des vœux 2016 pour le club, hein. Et bien que le nombre d'adhérents se maintiennent, voire augmente, et que tout ça se passe dans la bonne humeur, et que tout le monde prenne du plaisir à ramer. D'accord, très bien. Il y a combien d'adhérents actuellement dans le club ? 65. 65, oui, c'est un beau chiffre quand même. Ouais. Et vous avez quelques gondoles alors ? Ouais. Oui, nous avons deux gondoles. Il y en a une dans le garage actuellement, en petite réparation, voilà. On va dire en petite tenue alors. Ouais. Non, je souhaite que Sucé ait beaucoup plus d'adhérents pour faire de la Veneta. D'accord, plus d'adhérents pour la Veneta à Sucé-sur-Erdre.